Salut les conos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur FS17 pour une nouvelle série solo. Donc je suis sur la map The Valley The Old Stream et donc comme je vous le disais, je suis en solo. Bien sûr, il y aura du multijoueur, hein, mais ce sera sur une autre map que vous avez pu voir en multi, hein, bien sûr. Et donc j'ai pas beaucoup avancé sur la map, hein, sur celle-là. Tout simplement, j'ai juste moissonné deux champs. J'ai fait un champ d'orge et un champ de blé, deux petits champs, et j'ai pressé la paille. Et je l'ai ramassé, donc j'ai fait les pailles, les ballots de deux big ballers. Je les ai ramassés, je les ai remis à la ferme tout simplement. Et là aujourd'hui, ouais, j'ai fauché donc des champs d'herbe que j'ai pareil, que j'ai fané, endainé et pressé en round baller. Aujourd'hui, on va les ramasser. Et donc allez, on va pas perdre trop de temps. Et on va y aller les amis. Donc j'espère que cette petite série va vous plaire. Donc n'hésitez pas à commenter, à me le mettre sous la vidéo, hein, bien sûr. Comme d'habitude. Hop. Et donc allez, on est parti. Donc une petite série tranquille, hein, ça sera sans prise de tête. Bien sûr, non, c'était pas par là. Faire demi-tour. Déjà ça commence bien. Hop là. Et donc oui, comme je vous disais, ce sera une petite série sans prise de tête, hein, au début. Bien sûr, je ferai ce sera des courtes vidéos. Donc quand je dis courtes, déjà pour les premières, deux, trois premières, on va dire, allez. Une dizaine de minutes, 10-15 minutes déjà pour vous présenter un peu le truc et pour voir un peu vos avis, vos commentaires, vos réactions. Et donc voilà, donc on a déjà fait donc une vidéo sur TS2 et là sur farming. Et voilà, donc on va essayer d'en sortir assez régulièrement sur des jeux différents à chaque fois. Comme ça, tout le monde en aura pour son grade. Donc là à droite on a le champ des cochons. Là, je peux vous dire, le Renault il en voit un peu là. Hop. Donc là j'avais fait. Non, c'est pas ici. Donc là il y a le champ 57 là sur la droite et le champ 58, voilà. J'avais fait ces deux champs là. Sur la droite que j'ai moissonné et fait la paille. Donc que j'ai ramassé. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va arriver à la ferme, on va prendre un tracteur, le T7 par exemple, on va garer la voiture. Hop là. On va garer la voiture. On va se mettre ça là. Voilà. Et on va se choper vite fait, donc comme je disais, le New Holland T7 by Arsenic. Et donc normalement le plateau il doit être en haut. Il doit être en haut, je vais vous montrer ce que j'ai rentré, hein, comme paille. Hop. Donc pour l'instant, j'ai pas encore d'animaux, hein, étant donné que j'ai pas de stock. Ça sert à rien d'avoir des animaux si on ne peut pas les nourrir. Donc bien sûr, là, je vais d'abord m'occuper des stocks avec vous, m'occuper des champs. Après, par la suite, on prendra des animaux et je mettrai, je ferai pareil avec vous en vidéo. Je mettrai des Parce qu'il y a deux grosses zones plaçables, hein, sur la map, et je mettrai donc des usines. Des usines, comme ça je ferai ça avec vous, histoire de bah, juste de ne pas que moissonner et vendre, hein. Donc ça je le ferai en vidéo, je mettrai des usines et on va essayer d'exploiter la map au plus au complet, hein, on va dire. Donc là vous voyez bien à droite, tac, là j'ai rentré ça pour l'instant en paille, je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit et nous on va aller ramasser
Le foin, je vais tricher au début. Je vais ramasser en autoload histoire de ne pas perdre trop de temps, hein. Histoire que vous ne voyez pas que ça. Je vais ramasser en autoload et on va décharger à la main. Enfin, quand je dis à la main, bien sûr, au Manitou, hein. Donc là, je suis avec le plateau de la FSM Modding. Donc en autoload, je vais le mettre. Alors on va tac 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 balle carrée standard, non, donc nous c'est des balles rondes standard, on va l'activer, voilà, et allez on est parti. On va faire le tour déjà de ce champ. Déjà il y en a un paquet dans celui-là là. On a peut-être dû commencer par le 91, il est plus petit. Bon, tant pis, allez tac. On va ramasser tout ça tranquillement. Comme je disais, ce sera une série sans prise de tête, bien sûr. Donc après, avec les gars, oui, on fera donc du multi sur la Hof Bergmann Reloaded 1.0.0.4. Bien sûr, à chaque fois, on fera les mises à jour de la map, parce qu'apparemment le farmer Andy a prévu de sortir du lourd, donc on fera les mises à jour au fur et à mesure, hein, bien sûr. L'entreprise de la FFA sur ETS 2, pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de personnes à venir dans l'entreprise, à venir jouer avec nous, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, bien sûr, on aura du The Hunter, hein, on aura du jeu de pêche, du jeu de non, je vais peut-être pas vous faire du FPS, à mon avis, ça ne va pas trop vous plaire. On verra de. Après, je pense avoir une petite idée sur un jeu aussi, ça, je vais pas en dire plus, je le ferai en live déjà pour voir si ça vous plaît. Hop. On en met un paquet sur cette remorque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On en met 28 quand même. Impeccable ce petit plateau là. Impeccable, impeccable. Hop, on va aller rechoper une dernière. Toc, alors normalement là, on a une entrée. Celle-là. Oula, en bas. Bravo. Et allez. Zeg. On va décharger. Hop, 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 hop. Non, c'est par là-bas. Et bien sûr, on va mettre ça en haut. Ça là-haut. Alors le plus facile pour moi, ce serait de mettre ça par là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors attendez, hop là, c'est mieux de faire comme ça. Position, voilà. Gauche-droite, on va mettre ça ici, par là. Y. Et on va aller rechercher un autre plateau. Vite fait. Comme ça après, on n'a pas besoin d'y retourner. Hein. Toc toc, voilà. Non, ça après. J'aime bien cette map, franchement, elle est cool. C'est pas mal. Pour ceux qui la connaissent pas, hop, je vous mets le PDA vite fait. Voilà, hop. Là, à mon avis, vous la connaissez tous, hein, cette map. Donc voilà, nous on est en bas à droite et vous avez un autre champ tout en bas à gauche, le point jaune, le gros point jaune. Donc voilà, les amis. Tac, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ah oui, je crois que j'ai aussi un ou deux ballots d'enrubanné parce que je m'étais planté au début. Pas grave, ça servira quand même.
Mince, j'ai oublié un ballot. On va éviter de le ramasser de suite. Voilà. Et je crois que j'en avais un. J'en ai pas. Si, là-bas. Voilà. Si je peux éviter de mélanger les enrubannés en plein milieu, ça pourrait être pas mal. En fait, ce plateau il est vraiment extra puisque je vais faire que deux tours. On va être pas mal. Tac. On va prendre celui-là. Ces deux-là. Toc toc. Et les enrubannés pour finir. Extra. Tac, on désactive et on envoie. Ah, mais voilà. J'aime quand tout se passe comme ça. Donc, allez, on va pouvoir commencer à décharger. On va ranger un peu. Tranquillement. Et pour aujourd'hui, déjà, comme présentation, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Je sais pas ce que vous allez en penser. Donc on va décharger ça ici, normalement c'est B, voilà, toujours. On va se mettre ça par là. Je vais commencer à décharger un peu et je continuerai hors vidéo, histoire de pas trop vous barber. Voilà, on va mettre ça par là. Impeccable. Et donc après, pour la prochaine fois, bah, on verra ce que l'on va faire. J'ai pas trop d'idées. On va se prendre le petit Fent ici. Hop là. Normalement, je dois avoir une fourche qui traîne par là. Voilà. On va faire ça comme ça. Attention de pas... Ne pas trop voler. Ah. Bonne idée de le mettre en dessous aussi, ça. Voilà. Allez. On va mettre ça là-bas dans le fond. Et si je fais ça comme ça, est-ce que ça va fonctionner? Alors attendez, est-ce que je regarde un truc en même temps, hein. Tac. Tac, tac. Alors. Je lance encore. Voilà. On va lever ça. Et on va éviter de les mettre en automatique. Et on va essayer d'en prendre deux. Ah, je peux pas les mettre. Ah, bah non, je peux pas. Non. Je ne peux pas les prendre comme ça. Réfléchis. C'est pas grave. On va les prendre en auto. On est obligé. Et on va mettre ça là-bas. Après bah, je les prendrai avec le. Avec le. Avec le. Oula. Ça avance pas tout seul. On va faire ça comme ça. Tac, voilà. On va mettre ça là-haut. On va être pas mal. Ouais, ça va rouler. Ça va le faire quand même. Ça va le faire quand même. Hop, allez, on lève. C'est pas mal comme, comme système. J'aime beaucoup. Système du grenier là. En multi, ça peut être marrant en plus. En multi, c'est vrai que c'est sympa comme truc. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. On va faire un plateau. On va ranger un plateau. Et après la vidéo, ce sera bon pour aujourd'hui.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir aussi hein, en vidéo, bien sûr. Celui-là, on va mettre ça par là. Après, oui, en usine, bon, je mettrai, bien sûr, je pense que je mettrai des serres. On va mettre des serres, on va mettre une usine de pelée. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être l'usine de miel. Ouais, pourquoi pas. Le ruche, la ruche avec avec l'usine pour créer la ruche, faire du miel et tout là, faire du lait au miel. Ah ouais, ça peut être sympa ça. Ça, ouais, je pense que je ferai ça. Et au pire, ça, tiens, bah, au pire, je pourrais le faire dans la prochaine vidéo. De mettre les usines, ça pourrait être cool. Et dites-moi aussi, je voulais vous poser la question. Si vous voulez voir des vidéos de mapping, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur la terre d'Auvergne de mapping, pour ceux qui peuvent pas voir en live, hein, qui travaillent, qui ne sont pas là quand on est en live, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos sur le mapping, sur la terre d'Auvergne, histoire de voir comment ça avance. Hop. C'est quoi, c'est une télé qu'il a mis là-bas? Je vais regarder après, c'est quoi le... Ça, on dirait un écran noir. Allez, grand. Voilà. Comme ça, il va nous rester ça. Bon, c'est nickel tout ça. Ben, on va mettre... Hop. Cela, on va les mettre de toute façon, pas grave, hein. On va les mettre par là. Ça part ici. Voilà. Et les derniers pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Comme ça, après, il me restera un plateau à ranger avec les deux ensilages, les deux enrubannés plutôt. Celui-là, on va mettre ça ici. Voilà. Tac. Mais ce Manitou, pour l'instant, pour l'instant, je vais le laisser dans le coin. Je m'en servirai hors vidéo. Bah, je vais, hop là, en même temps que j'y suis, on va ranger ceux-là. Voilà. Donc je sais, hein, normalement on les pique pas les enrubannés, hein, pas besoin de me dire les gens. Je sais très bien. Hein. Mais c'est pas du RP. Hein. On va les mettre là pour l'instant en attendant. Voilà. Impeccable. Donc allez, on va pouvoir commencer à ranger un peu là-haut. Celui-ci, on va le... Bon, on va le ranger là, vite fait. Marche avant. Voilà. Ah oui, je voulais voir c'était quoi ça. Mais il a mis la télé ici. Oh. Il l'a mis juste à côté dans la maison. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent le voir le tuto en fait. De la map. Mais bon, c'est pas bien compliqué. Donc allez, on va prendre l'échelle, hop là, prendre le JCB en haut. Donc il y en a, ils vont me dire qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai fait exprès de prendre la fourche en fait. J'ai fait exprès de prendre le grappin à fumier et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement pour faire ça. Pour pouvoir les ranger droite. Hop.
Voilà. Ça c'est fait exprès. Ça va pas rouler, au moins ça va pas m'embêter, ça va pas prendre trop de place. Essayer de faire ça bien. Mettre ça par là, comme ça. Et on va être pas mal, je pense. On va pousser un peu. Hop là, nickel. Nickel Michel. Voilà. Bon, j'avoue, je m'embête pas beaucoup à faire de l'autoload comme ça avec le grappin. Mais au moins, ça va plus vite. On part pas de temps. Mettre ça par là. C'est un poil. Tac. Voilà. Deux ici. Oh, j'aime. Il y a un truc que j'aime pas, c'est rouler un peu trop au bord en me connaissant. Je pense qu'un jour je vais finir en bas. Là, ça peut être faisable, je pense. Pousse un peu, on recule. Il reste quelques petits ballots. On reste 4 après. Bon, impeccable. Impeccable, impeccable. Ben, on va enregistrer ça encore par la suite. Voilà. On va poser ça là. Et les derniers. Voilà. Et comme ça après, bah, comme je vous disais, hein, moi je rangerai le reste. Au pire, ce que je pourrais faire tout simplement, c'est que bah, voilà, les vidéos seront sur YouTube. Et ce que je ferai, c'est l'entre-vidéo. Le entre-vidéo, genre par exemple là s'il me reste encore la benne à ranger, ben ça je pourrais le faire en live. Comme ça, ben, tout simplement vous suivrez la série de fond en comble, au pire. Ça peut être sympa, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire un peu vos avis, ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas du tout, hein, ça a le droit de ne pas vous plaire. Et donc voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. A plus les conos, bye bye!